L'un mort sans jour, leader, groupe gang 400 Maozo, monsieur décidé libérer deux nan otages américains qui ont été kidnappés. Ça a gagné yon mois, fanatique Joe Canel, Journal 9. Pas oublier, c'est 17 otages au total qui ont été 400 Maozo. Parmi 17 otages, ça c'est 16 américains, yon canadien, Nègue ou même 400 Maozo emmené par l'un mort sans jour libéré de nan otage sa yo selon source Journal 9 li même capable faire confiance source nous qui pas ici en Haïti yon source qui confie nous information ça et qui ba nous d'autres précisions ou bien détails c'est que gen l'argent qui baille pour otage yo capable libérer deux otages sa yo gen cob qui baille nous pas en mesure pour ba ou yon montant. Mais c'est que otage yo deux moun 400 Maozo libéré yo, yo pas libéré gratis ti chéri, yo pas libéré sans un centime, sans un goud pa bay. Gen l'argent ki bay fanatique Joe Canel Journal 9 selon source nous qui confié ben Journal 9 information ça mais qui pas en mesure pour préciser pour nous montant l'argent ki bay pour libérer moun sa yo. Pas oublier. États-Unis toujours dit lui-même, il pas négocier avec terroristes parce que la mort sans jour te dit, depuis le pas joindre salement de yon, la fizye moun yon, la tue moun yon. Ah ben, qui ça m'a demandé? C'est 17 millions de dollars américains. Donc là, États-Unis toujours dit lui-même, il va négocier à théorie. Ça veut dire, avec la mort sans jour, 400 morts aux oies, demander l'argent, ça c'est affaire pâle. États-Unis lui-même, pas entré dans causer comme ça. États-Unis, pas entré dans bagaille comme ça. Mais, nous dou, gen l'argent qui baille pour moun sa ou même, yon libéré, ah ben l'argent ça qui baille là, c'est organisation que moun sa ou même yo te représenté ou bien yo travail pour li ici en Haïti qui c'est Christian Aid Ministries, yo organisation religieuse qui était souterrain en Haïti qui te vinn wè ki jan ka aider moun nan pays là fanatique Journal 9. Ah ben c'est organisation ça qui collecte l'argent. OK, ça c'est une bonne information en bas. Ça c'est organisation ça qui collecte l'argent selon source nous. Ah ben qui baille l'argent qui fait gen deux nan moun sa yo même qui capable libérer jodi an la fanatique Joe Canel Journal 9 mais c'est pas le gouvernement américain qui baille l'argent là c'est précision que nan baou. Maintenant l'autre petit précision bien petit détail nou ka baou ah ben selon source nou, OK selon sa source nous confier à Journal 9 c'est que deux nan moun qui libéré yo ça c'est à deux moun qui pi âgé yo parmi moun parmi otage yo te kembe yo pa bliye te gen plusieurs ti moun parmi otage yo OK mais c'est à deux parmi ça qui pi âgé yo que ta libéré voilà nous dit ta libéré selon sa source nous confié à Sal Nouvelle Journal 9 fanatique Joe Canel Journal 9 donc là information li même li confirmé c'est que le groupe gang 400 Maozo dirigé par l'un mort sans jour qui bay tête litino baon plein négo libéré de nan 17 missionnaires étrangers 16 américains yon canadien que 400 Maozo te kidnappé ça gen 1 mois OK moun yo gen 1 mois nan men 400 Maozo donc yo libéré 2 nan 17 la rete 15 et l'autre information la baon encore parce que source nous qui informé nous de ça eh ben négo même yo toujours mande gros bout l'argent pour libérer reste moun yo hein yo mande gros bout l'argent pour libérer reste moun yo fanatique Joe Canel Journal 9 donc 400 Maozo nèg yo campé dan nèg yo campé tête red nèg yo campé tête fait donc faut yo gen bagay nan main parce que ablié nèg yo même c'est ça yo fait OK c'est ça yo fait c'est activité yo fait dernière fois l'an mois j'étais parlé nous songe ça gè quelques jours Brit a couru comme quoi monsieur te prend cartouche comme quoi il t'a mouri ou bien deuxième chef gang monsieur t'a mouri et là il te vinn parler monsieur te dou ti bal nèg ici green cartouche nèg ici pas ka tuel c'est diable seulement ka manger donc nèg yo quoi dans tête yo quoi dans diable yo quoi dans ça affaire yo connaît bandi yo dans yo pas cachel yo toujours des armes yo dans main yo OK dans un mensonge je te dou si lui même il t'a touché ou bien deuxième chef gang il t'a touché pays on t'a bloqué hein les doué pas plein dans seulement mais pay on t'a bloqué. Donc nèg yo kwè nan tèt yo, yo kwè nan fòs yo. C'est une nan raison qui fait que eh ben nèg yo pa cède facile. Si pa gen bagay ki met a tè, si pa gen papier ki met a tè,
ben nèg yo pap libéré moun. Donc j'en nou dou là, gen l'argent qui bail, mais nous ne sommes pas en mesure de vous fournir ben le montant de somme qui bail pour capable libérer deux nan 17 missionnaires étrangers que 400 marozo les mêmes il était kidnappé ça fait un mois depuis moun yo même yo nan même monsieur et selon information c'est que moun yo sain et sauf moun yo en forme moun yo sain et sauf moun yo en forme yo pa gen rien donc là c'est des d'autres détails que nous gagnons sous sa crivière là parce que nous connaissons journal 9 lui-même l'étape suivre dossier ça de près donc il est important pour nous bien informer ou de situation ça avec action ça que 400 marozo emmené par l'amour sans jour il décide poser jodi en là Joe Canel fanatique journal 9 ah ben qui est nous tout faut nous rappeler ça que Geyoun nan et otage dans 17 missionnaires étrangers yo que en ben gen poursuite qui a fait contre lui que monsieur accusé comme moun qui fait abus sous mineur qui abusé sexuellement yon mineur aux États-Unis donc son nèg là qui fait ça par ça OK qui abusé de yon mineur qui lui-même fait partie de 17 missionnaires étrangers ça yo qui nommé 400 marozo fanatique Joe Canel journal 9 donc là Christian Aid organisation Christian Aid Ministries li collecter l'argent hein li fait main contre pour te capable bay un petit cob pour libérer moun yo et c'est ça nous gagne source nous confier nous fanatique journal 9 et source nous c'est pas source Haïti mais qui à l'étranger qui confier nous information ça fanatique journal 9 donc 400 marozo nèg yo même yo campé dedans pas oublier ça poko gen yon semaine depuis yon nan porte-parole gouvernement américain te déclaré que yo pa gen ken information yo pa gen ken nouvelle yo pa gen ken information sur otage ça poko gen semaine depuis que yo te déclaré ça ah ben jodi la pendant yo te dit yo pa gen ken information jodi la gen deux nan moun yo ki libéré donc c'est pour nous pouvo gen négociation que te continue à faire gen parler que te continue à faire. C'est pas sans raison parce que nous même dans journal 9 nous toujours faire effort pour nous bon gens information. C'est pas sans raison. L'autant des coups de balle t'a pété. Semaine passée entre la police à 400 marozo dans quoi des bouquets. Nous te dit comme ça, li difficile pour c'est une opération qui planifie. Et si son opération qui planifie, faut que c'est une opération pour libérer les otages. Et si c'est pas une opération dans sens ça qui fait li capable son opération improvisée ou bien coup de balle chanté et effectivement c'est une opération qui est improvisée c'est un pick-up qui te gen la dan plusieurs hommes armés du gang 400 marozo qui te croisé avec un backup la police et cartouche te marré cartouche te boucanté fanatique Joe Canel journal 9 donc là c'est ça qui te prouvé qui te provoqué tout coup de balle ça qui t'a chanté nan quoi des bouquets fanatique Joe Canel journal 9 et contrairement à Bri qui te couri, eh ben 400 marozo au chef li à l'amour sans jour prend cartouche mais il va prendre cartouche jouer ni deuxième chef gang ni pas gen rien donc là 400 marozo nèg yo toujours gagné 15 missionnaires étrangers dans méo là après libération de la dan yo donc là j'en dou ça c'est toujours gros bout l'argent gagné dans figi que nèg yo même yo mandé pour libérer reste otage yo donc Christian Aid Ministries li collecter il fait mes contrer ba un petit l'argent deux moun libéré maintenant est-ce que y a bien assez ceinture pour bailler l'argent encore pour continuer libérer l'autre monde ça nous même nous pas en mesure pour affirmer li clairement mais une nan bagay nous ka dou c'est que nan dossier ça 400 marozo li même li capable prend poids l'en dit capable prend poids c'est que l'on groupe gang en Haïti kidnappé 17 américains et que 17 américains ça a fait yon mois dans mes groupe gang ça qui en Haïti pas oublier FBI t'ai des agents de FBI qui t'entrer dans pays pas oublier américain le gouvernement américain t'a annoncé que yo pral voyer des forces spéciales des agents de force spéciale qui spécialisé dans libération otage pour te voir qui gens au calibrer mon yo bien que yo t'ai toujours précisé tout que toute option yo sous table là. OK, il était toujours précisé que toute option sous table là. Mais lorsqu'on a des agents FBI qui entrent, force spéciale, il était dit qu'il pourrait venir,
En pile moun te pense, même gen moun ki ta parle, ki te di bon, 400 marozo, rive nan bout li, 400 marozo, pa gen ken kote l pral an kol fure mel nan di fe, lèl deside kidnapper des Américains. En ben, jou passe, jou ale, semaine passe, semaine vini, semaine ale, jusqu'à ce que moun yo gon moi, nan men 400 marozo, en ben si lè sa, gen moun ka vin rendre compte que 400 marozo semble pas piti. 400 marozo semble pas piti, nèg yo semble gen gren nan bouda yo tout bon. Joe Canel, fanatique, journal 9. Donc là, nèg yo même, l'endou yo ka pran poids, c'est que lò kidnappé 17 Américains, alors 16 Américains, yon Canadien, FBI vini, pa gen grand chose ki ka fait. Force spéciale, yo voye ouais, ki possibilité gen. Parce que, force spéciale yo ta privé, vrai. Mais, nèg yo même, nou te dou ça déjà, n'a juste rappelé li. Nèg yo Américain pa pense que 400 marozo aussi bien organisé. Yo demande c'est bon c'est des trois haïtiens dans gang OK capé là gen petits am nan mais on va faire kidnapping a faire la prière le beau temps parce que pas gen autorité ici mais les nèg yo vinn gen des informations yo gen des renseignements sur gen nèg yo organisé yo rend yo compte que ça gen là pas petit yo rend yo compte que yo pas capoter bourré sous 400 marozo comme ça pour otage pas victime parce que si elle fait ça et que otage victime en ben blam nan c'est sous deux gouvernements américains principalement Joe Biden c'est sous dol c'est lui même qui prend ta place au domaine et qui pas bon pour lui qui pas bon pour bilan qui pas bon pour administration Biden Harris là fanatique Joe Canel journal donc là ils ont été obligés aller doucement ils ont été obligés aller doucement et ouais la négociation yo même yo continue faire jusqu'à ce que gagne deux nan otage qui libéré fanatique Joe Canel journal 9 donc là c'est sûr que négociation pral continuer mais Jean Doulan 400 marozo ka sorti renforcé dans la mesure où ben les kidnappé 17 américains FBI vini bon force spéciale parler yo pa ka fan rien et puis l'argent bail et depuis gen l'argent bail a gen plus moyen pour acheter plus gros armes pour acheter plus munitions plus cartouches et a gen plus l'argent pour augmenter nèg dans base là a dit faire base avin plus gros. Au lieu de 400 marozo, Bazlan a toujours les 400 marozo, mais il n'y a pas 2000 marozo là-dedans. Bazlan, comme c'était non ça a été balé, il a fait créer, il a toujours les 400 marozo, mais il n'y a pas 2000 marozo qui travaillent là-dedans. Il y a pour employer plus de monde et pour acheter plus d'armes, plus de cartouches. On dit employer parce que, un peu, sous pas de compte ça, il n'y a pas recrutement. Nèg yo fè recrutement et pour faire moun entrer nan groupe gang nan et parfois yon kon tellement jwenn moun ki vin inscrit nan groupe gang nan ou di yo pa ka pran encore nan tourner encore là et gros causé fanatique Joe Canel journal 9 donc c'est gros causé et j'en toujours dou ça et ben groupe gang nan pays d'Haïti toujours dou ça si pa gen rien ki fait si m'a trompé m c'est ça gen environ 3 jours depuis le président dominicain Luis Abinader il était déclaré que si États-Unis, c'est États-Unis qui pour impliquer principalement dans Jean pays d'Haïti rivé là pour un changement, pour une solution portée notamment à cause insécurité. Et quelque part monsieur Patrou gen tonneau, l'a considéré en pile zam k'ap entrer dans pays en là, pral joine 400 marozo qui pral joine l'autre groupe gang dans pays, c'est États-Unis au sorti. Majorité zam yo c'est États-Unis au sorti. Donc si pays États-Unis pays américain t'a vle ban un petit coup d'aide t'a vle ban Haïti un petit coup d'aide un petit coup de pouce dans sens ça il t'a très important il t'a très important il t'a très utile donc là et 400 marozo lui même c'est dans sens ça que nous parlons que li ka vinn prend poids et pas étonnant 400 marozo ka vinn youn nan pi gros groupe gang qui gagne dans toute région Caraïbes youn nan pi gros groupe nous dis ça là nous même nous toujours parler l'en parler très souvent ça n'y arrive OK. Si c'est comme ça nèg yo pral aller là, grandi comme ça là, ben nèg yo capable vinn yon nan pi gros groupe gang qui gagne dans toute Caraïbes blanc fanatique Joe Canel journal 9. À bon entendeur, salut. Donc là, c'est comme ça situation y est pour le moment. Donc gen deux nan moun sa yo k'ap retourner joine famille yo, retourner joine proche yo qui te gen tan gen yon mois que yo pas trouvé yo. Donc c'est deux là dan yo, mais gen 15 l'autre qui toujours nan men 400 marozo. Bon, qui mange yo bay blanc yo. C'est sûr. Très souvent, c'est haïtien qui ont maltraité les kidnappés. Très souvent. Les kidnappés haïtien qui ont maltraité. Mais les gens étrangers qui ont kidnappé, regardez, c'est bon manger, vous acheter, vous mangez. Mais les haïtiens,
Ou pa ou manje nepot bagay, nepot ki jan. Ba ou bwe dlo kap koule nan rigol, dlo pa menm prop, dlo sal, ou men. Donc se la etranje, yo gon jan, yo trete moun yo, fanatik, Joe Canel, Journal 9. Donc situation li menm, se évolution sa seulement ki gen la dan avec Libération 2 nan 17 otages, 17 missionnaires étrangers que l'an mort sans jour ki gen groupe gang ni 400 marozo te kidnappé. Maintenant, est-ce que yon joué un rôle dans sa crivea? Yon ancien chef gang 400 marozo, parce que ça fait une poser question. Monsieur te gon rôle li te joué, les 400 marozo te kidnappé plusieurs religieux français. Nous songe bagay ça? Nèg yo te kidnappé plusieurs religieux français, plusieurs prêtres, nèg yo te kidnappé. Ah ben yon c'est yon nan moun ki te parlé à la mort sans jour, c'est yon nan moun ki te parlé à la mort sans jour pour dire monsieur, ben ça on pas de compte faire yo libérer moun yo. OK? Yon ki nan prison actuellement, qui c'était premier nèg qui était dans tête groupe gang 400 marozo fanatique Joe Canel Journal 9. Donc là, situation là est toujours rete nan niveau sandoula et n'a continué suivre li pour nous bon tous les détails sous sa rivière, parce que jandoula c'était 17 étrangers, 16 américains et yon canadien. Nous pas en mesure pour nous dire, parce que nan moment n'a enregistré vidéo ça. OK, nan moment n'a enregistré vidéo ça, nous pas en mesure pour nous dire si c'est yon américain, yon canadien ou bien deux américains, mais c'est que gen deux nan otage qui libéré fanatique Joe Canel Journal 9. Ou kon formule lan déjà, si ou poko abonné à channel ça prend quelques secondes pour faire ça, cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petit cloche là pour qu'a toujours recevoir notification chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez nous sur www.journal9.tv et toujours vide bagay neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour qu'a encourager bel travail ça, parce que nous-mêmes nous pas suspendre bousquer information tout partout pour nous informer de tout ça qu'a passé dans pays d'Haïti en termes d'actualité, en termes de information. Journal 9, ben Chanel, réseau Kabo information tout neuf là. Journal 9, nous tout partout, nous tout côté, nous dans quoi des bouquets 400 maos au village de Dieu, base 5 secondes, Grand Ravine, Chris là, tout côté négoyé, G9 en famille allié, GPEP, nous tout côté, n'a cherché information pour nous informer de situation dans le pays d'Haïti. N'a campé là avec vidéo ça, partagez dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram pour encourager travail ça. N'a campé là.